La Miss Haïti. Haïti Média Télé, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter mon livre Révolution. Comment vous sentez le fait de participer à cette élection Miss Haïti Prestige? Pour bien dire, c'est un honneur pour moi parce que je ne m'y attendais pas à une si grandiose célébration. Mais c'est vraiment un plaisir de participer à un événement pareil. D'abord, je félicite l'équipe qui a organisé, qui a pensé à organiser cette soirée. Félicitations à Madame Alumène qui a pensé à initier ça dans le monde francophone, dans la communauté haïtienne en France. Donc moi-même, je suis en vacances et du même coup, j'ai profité pour présenter mon bouquin et ça m'a fait chaud au cœur pour voir qu'il y a des gens qui pensent à rehausser la culture haïtienne jusqu'ici en Europe. Donc ça me fait grand plaisir et c'est aussi un honneur d'avoir l'occasion de participer afin de présenter mon bouquin à cet événement. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi juste pour cette entrevue. Et d'abord, l'essentiel, c'est d'essayer de motiver tous les jeunes haïtiens afin de participer dans la politique active du pays, afin de se motiver, afin d'être engagés à notre patrie. Donc je pense que nous avons la même vision et c'est pour ça qu'on est tous là. Juste pour motiver les gens, spécialement la jeunesse haïtienne, pour savoir qu'on a besoin de bras. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez dire comme message au gouvernement haïtien pour changer le pays? Le message n'est rien que l'unité et la volonté. Nous devons être unis, nous devons travailler ensemble, comme je viens de le dire, et avoir la volonté de mieux faire. Nous pouvons mieux faire. Il y a de l'espoir, je l'ai vu. J'ai été en Haïti il y a un mois, mais je crois qu'il y a de l'espoir. Nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas seulement avoir des idées, mais les concrétiser. Donc je pense qu'à travers Révolution, c'est ce que je fais. Je commence mon devoir en tant que citoyenne engagée pour parler et dire ce que je pense, dire ce que je vais faire, ma contribution, je vais l'apporter. Et c'est ce que tout le monde doit faire. Ce n'est pas seulement penser, mais agir. Agir, c'est ce que nous avons besoin. Soufflez, on applaudit l'église, s'il vous plaît, s'il vous plaît.